Bonjour, welcome everyone. Bonjour, bonjour, bienvenue dans nos filters, bienvenue dans Self-Love Bootcamp. Moi c'est Emmanuel Georges, moi c'est un Certified Life Coach, un Life Coach certifié. Et moi là, tous les lundis, pour moi, ben nous, des petits conseils, des techniques, des outils, pour nous capables d'apprendre remen nous tout bon vrai. Parce que tout autant que nous pas remen nous tout bon vrai, la vie nous pas refléter ça ta supposé refléter. OK? Donc si nous vinn là, nous vinn réglon bagay, faut nous vivre la vie nous à 100%, faut nous vivre la vie nous gens que non nous senti que nous voulons vivre la vie nous, faut nous aligner avec sa nom nous voulons, sa l'esprit nous voulons, parce que nous plus que être ça qui là et nous voulons régler un bagay. Mais moi pas bouquer dire si vous voulez vivre yon vie épanouie, if you want to live a fulfilled life, you need to first love yourself fully. Faut qu'on remet tête tout pour capable vivre épanouie ça. Et comme moi toujours dit, c'est pour ça moi les émission self love bootcamp. Remet tête nous, c'est pas un bagage qui facile, c'est un cheminement, c'est des actions, des habitudes pour nous utiliser tous les jours, pour nous mettre en pratique tous les jours. Et c'est des efforts, c'est apprendre, réapprendre, désapprendre, c'est pas donné, c'est pas suspendre by tête nous mentir, c'est ça qui remet tête nous, c'est discipline. Et donc c'est pas une bagaille qui facile et c'est pour ça que émission elle est self love bootcamp. So I was saying that this I call the show self love bootcamp because I'm aware that loving yourself is not an easy task. It takes a lot of courage, a lot of passion, a lot of facing the truth, a lot of shadow work. It takes habits, it takes discipline, it takes learning over and over. It takes starting over and over, and it also takes unlearning. And that's what we're going to do. Before we start, avant nous commencer, moi ta remè nous font poser pour nous pratiquer un petit calme gratitude. C'est qui ça gratitude? Gratitude c'est reconnaître et accepter que nous bénis. C'est reconnaître que malgré tout ça qui a passé, malgré toute tribulation, malgré tout problème que nous capables gagner, il y a quand même des choses à célébrer. So before we even dive into the subject, I would love for us to practice a little bit of gratitude, because if we have to recognize and accept that we are blessed despite all the things that are going wrong in the world and the things that are not perfect in our lives, but the first step to actually living this life and moving forward is accepting that we are blessed, accepting that we are alive, so it's not over and there's always room to grow and to do better. Moi toujours dis que moi-même dans live moi au moins les interactions. Donc nous pral commencer par un petit exercice gratitude. Côté que moi pral mandé nous prendre quelques secondes pour nous garder autour de nous, pour nous garder tête nous, pour nous rentrer nan nous pendant quelques secondes et dire trois bagailles que jodi en un moment ça ou senti que ou t'a dit merci la vie pour lui. OK? Ou capable texte ou capable écrire. Mais si ou t'a aimé partager expérience pa avec gratitude, moi pas gen problème pour me prendre sous live là si on tenu bien sûr pour capable partager et pour qui ça ou moi envie dire merci la vie matin. Et peut-être que gen des fois nous pas vraiment connais mais yon moun ka di un bagay et puis you lot inspiré par ça et li wè que li même tout li ta ka di merci la vie pour ça. So I'm going to give you guys a minute. Pour qui ça ou t'as envie de merci la vie matin? I'm waiting for answers. And if you're watching post live, m'a mandé ou soit regarder live ça après, m'a mandé ou prendre un petit moment pour capable mandé tête tout pour qui ça ou capable dit merci la vie. So m'a ban nous 1 minute pour nous capable joindre trois bagages ça. Et si ou chita devant bureau ou si ou imprime papier, il y a encore plus intéressant sou capable mettre le sous papier. Trois raisons pour qui ça ou ap di merci la vie.
Bonjour, bonjour. À part mon pas aucune réponse. Thank you, Sandra. Sandra said, I got up, I'm alive, I am breathing, and I am healthy. I love that. And that enough. That is enough to say merci la vie. If you're well, if you're healthy, you're alive and breathing, this is like the number one thing that should, you know, inspire you to keep moving forward. Ça c'est une bagaille qui t'a supposé aider ou continuer gourmet pour la vie parce qu'on a une chance ça, la vie c'est un cadeau. Yardley, je suis reconnaissante pour cette vie, ma famille, mon fils. Beautiful. Viali Hair Care, merci pour la vie, for my health, my family, my strength to keep on pushing. Yes, I love that. And I love that you said my strength to keep on pushing because sometimes we're not proud enough of ourselves. La vie n'est pas facile. Si vous avez besoin, il faut que vous dites merci la vie pour courage ça. Parce que pour vivre la vie son bagage qui m'a des courage, quel que soit mon ouïe, quel que soit mesure l'argent qu'on gagne, l'amour qu'on gagne, la vie est difficile et il m'a des courage. So I'm glad that you're celebrating yourself by saying my strength to keep on pushing. Wisney, I'm thankful for my life, my children, and my family. Beautiful. Naturalista Purple. I am grateful for life, a roof over my head, and I have joy. I love that. Nous, on t'y j'en pas penser que la joie, que content, que li pas important, mais gagner la joie, capable ri, capable gagner que content, c'est un bagage qui est super important. Et moi, content, ouais, ça, c'est pas un bagage que m'te même penser à ça. J'aime la vie, mon petit copain, et mon éducation. I love that. But we're going to talk about education in a minute. Moi, content que ça monte. Alors, moi-même, moi, t'as écrit, envoie-moi comme maintenant. Bon, fini écrit, ma baille l'autre mon temps pour partager. Et moi-même, ma continue à réfléchir à trois raisons que moi senti qu'on y a là, sous fait monter sous live. Cherchez dans le cœur, parce que maintenant, nous voulons commencer chaud avec gratitude. Qui trois raisons qui fait ou content? All right. OK. Oups. Mwen pa gen de lot témoignage. Oh, OK. La guys have bon problème, guys. I'm sorry. OK. Et di pa sou mwen vire encore. Son petit gadget que me fait gagner que me poko fò la dan. OK. Donc mwen pa gen trop lot témoignage. Mwen même matin m'a dit merci la vie parce que mwen réussi fè sport. Après trois semaines que moi pas de senti corps, moi pas de senti courage, mais c'était peut-être pas courage physique, c'était plus des bagages émotionnels et qui peut-être agit sous corps qui fait que moi pas gain engouement, moi pas gain the physical strength, était agit sous corps que moi pas capable faire sport. Donc matin moi fait un bel Caucasian sport. Donc moi pas connait si gain monde qui connait T25 et c'est une sport que moi mets en pile, c'est une programme que moi mets en pile. It's called T25. You can look it up. But parce que faut quoi acheter programme là, c'est Shanti qui fait le côté qu'on fait sport pendant 25 minutes. Et en fait, c'est un bagage qui t'est marché pour moi et dans gens que moi t'ai réussi perdre du poids et content avec comme. Mais c'est un programme qui vraiment intense que moi t'ai by vague, moi t'ai fait de l'autre sport. Donc semaine ça, moi décidé que ma pour commencer avec ça que me connais qui marche. Souhaiter une bonne chance. Et donc matin moi t'ai réussi faire sport. Deuxième bagage qui fait que moi I'm happy to see a lot of people know about T25. Deuxième bagage qui fait me content c'est témoignage monde que moi travaille avec. Donc si vous allez sur page moi, pas oublier follow qui c'est Emmanuel_George. Moi j'ai un participant de un programme qui est les femmes engagées. Côté que moi t'ai fait un atelier sur confiance en soi, sur amour propre et qui fait mon bel témoignage. Et chaque fois que gen moun qui fait témoignage sur impact que atelier, que formation, que petit parole moi yo que cours moi yo gagné sur yo,
ça fait me content et ça me encourage continuer travail parce que c'est pas facile. Donc I am very grateful for the love and support that people that I work with show me every single time. Et puis dernier bagage, moi gain reconnaissance pour musique parce que musique c'est un bagage qui m'ont gros place dans vie et matin moi t'ai en pile musique que ce soit dans moment la prière, moment méditation, moi rivé dans pendant ma bain pour me parer pour venir joindre nous là, moi t'attendais musique. Donc I am very 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 grateful for that. OK. Donc j'espère que tout le monde comprenne comment il est important et si nous pas là pendant que m'tap dit ça, moi inviter nous chaque jour si nous fait cap commencer, mais de temps en temps si nous pas un monde, surtout si nous triste, si nous pas une attitude, si nous pas une habitude ou bien même attitude reconnaissance ça on the regular chaque jour, moi inviter nous gain reconnaissance ça. Moi gain un client en bas live là en fait que m'étais pas exercice ça le que il t'a dit que il pas content et que la ville pas you know il était plus pas content que content et bien sûr le premier exercice que m'étais pas fait c'était joindre des bagages pour le téka ouais à qui point que il béni à qui point que il gain des belles bagages dans la ville. Donc sous sent triste premier bagage m'a voulu faire aujourd'hui hein sous sent pas content à la vie ou tout bagage noir sous chita et ou chercher ou ka joindre plus que 3 bagages ou ka même joindre 10. L'homme t'a commencé année ça m'était joindre 50. Premier exercice journaling que m'était fait pour année 2021 c'était joindre 50 bagages moon des bagages qui entourent des expériences que moi vivre que moi était capable dit merci la vie pour yo. OK. Nous pas rentrer en tigeant dans nous pas rentrer dans sujet dans sujet aujourd'hui hein qui c'est I want to say unlearning. Mais avant de faire ça, je voulais ben une petite anecdote. Donc, m'essayer le plus que possible parler et émission pendant le week-end. Et m'a réfléchi à différents sujets et moi-même dans introspection, pam, moi vinn ouais à qui point qu'il des bagailles que parents te apprennent moins que moi grandi avec eux que société ben moins des messages que moi recevoir te vinn faire la caille moins des croyances qui limitent ça y aurait les limiting beliefs. So all of us have that. OK, donc moi t'as réfléchi à des bagages que moi crois qui pas forcément vrai mais que en fait que m'a porté avec moi depuis très jeune et qui jodi hein moi réaliser qui ben un pile impact sur moi. Donc moi t'ai dit peut-être que c'est de ça que m'ta parlé parce qu'en fait ça c'est une première étape de ça m'relé self love journey de cheminement ça que n'a fait pour nous apprendre à mettre tête. Et puis hier moi commencé lire un livre que moi t'ai lu déjà mais que ça fait peut-être un petit peu plus que 2-3 ans, peut-être 3 ans et moi premier chapitre livre là t'a parlé de importance ça relé unlearning là qui c'est désapprendre. Et puis matin pendant méditation moi message journée c'était que le comment que tout ça qui ça relé collective consciousness ça veut dire que tout ça que collectif qui autour de moi li gen croyance ça en fait croyance ça li vin affecté et li vin faire li vin ou vin adopter comme croyance pa ou, alors que en fait ou pas nécessairement quoi que vrai ou li pas nécessairement vrai pour ou donc moi relé ça divine synchronicity moi parlé les yon coïncidence comme ça moi relé l'on synchronicité divine et un message qui fait que moi vraiment voulais que nous parler de ça matin parce que tu gagne trois messages, tu gagne trois bagages qui t'a rappelé à qui point que point ça est important pour nous discuter de lui. Et une bagaille que me pense faut nous dire merci la vie pour lui tout, c'est capacité que nous gagnons pour nous réajuster façon de penser nous. Capacité que nous gagnons pour nous recommencer pour nous parce que tout autant que nous là la vie n'est pas finie et même si vous pas content avec tête ou même si je dis que les bagages que vous croyez qu'on fait des gens qu'on vivent qu'on pas nécessairement content avec moi je veux qu'on connaît qu'on pas besoin de décourager parce que naturellement ou gain pouvoir ça pour capable changer l'esprit ou
j'en compense, donc changer la vie. We all have that capacity, we all have that power inside of us to actually work on being someone completely, completely different. Bien sûr, pas inquiète nous, moi t'as partagé Livlan quand même. Alors, Livlan elle est You Are Badass de Jen Sincero. It's a New York Times bestseller. It's sold over 1 million copies. C'est un livre qui change la vie en pile monde. Et en fait, moi t'ai posé question ça hier, moi t'ai posté en pile monde content. Moi pas connais si bien en français, honnêtement, moi pas cherché non plus. But the book, it's called You Are a Badass. Okay? And you are a badass. Why? Because you have that power to rewire your brain. You have the power to stop doubting your greatness and start living an awesome life. Donc, ou gen pouvoir ça pour suspendre douter de à qui point ou capable. Oh wow, Whitney! À qui point que ou capable et changer la vie ou à qui point qu'on est capable de reprendre et pouvoir ça pour capable vivre une vie intéressante, une vie qui marche avec moun ou yé tout bon frère. Donc on va lire un passage pour nous et nous va dire si nous tout d'accord avec. M'a pris en anglais mais obviously m'a capable deal en français. Like I said, j'ai ce livre depuis un moment. Je vais le commander. Yes, guys. Reading is a big part of my self-love journey. Moi, lis en pile. Et en pile fois, livre yo dit des bagages. Mais chaque monde a un genre que le partager message. Là. C'est qu'on peut suivre n'importe qui coach. Mais en fait, faut qu'on suive en pile. Moi, même côté mi là, moi, en pile monde qui influencé speech, moi, qui influencé discours, moi. Donc comprendre parce que il y a des monde qui te fait en vente mais peut-être que façon que moi-même moi livrer le baoua c'est façon ça que ou capter et ou capable appliquer ou bien suivre conseil que moi baio mais en fait il y a un pile conseil dans livre il y a un pile livre de développement personnel qui change la vie et de temps en temps moi ouais à qui point que nous intéressé donc de temps en temps m'a vienne partager avec nous. So I am reading page 20 from chapter 1 of You Are Badass. All this is to say that it's not your fault that you're fucked up. It's your fault if you stay fucked up. But the foundation of your fucked upness is something that's been passed down through generations of your family, like a coat of arms or a killer cornbread recipe, or in my case, equating confronting with heart failure. When you came screaming onto this planet, you were simply a human being. While you explored and expanded into your new world, you also received messages from the people around you about the way things are. From the moment you could take it in, they started filling you up with a lifetime's worth of beliefs, many of which have nothing to do with who you actually are, or what is necessarily true. The main source of this information was, of course, your parents, associated by society at large. Most people are living in an illusion based on someone else's belief. Well, let's try to traduit un petit peu. Donc, il dit, nous tous fuck up. Mais en fait, c'est fort tout sur le fuck up. C'est fort tout. Ça veut dire, si vous pas content aujourd'hui, hein, et que y'a des gens que vous vivent, que vous trouvez qui drôle, qui fucked up, qui just pas normal, qui just pas fort plaisir, qui just pas ido avancer, c'est pas fort tout. C'est fort tout si vous continuez à vivre la vie ou comme ça. Mais, pas inquiète, tout bagage ça yo, que ou peut-être ap fait, ap koué, qui a impacté la vie ou, c'est des bagages qui passent de génération en génération. De grands-parents à parents, et en fait à toute société. Parce que là, en fait, ou t'es juste un blank, ou t'es quand on tableau, on mousse au tableau qui vide. Et puis au fur et à mesure, parents, avec famille, avec société, ils viennent mettre des bagailles dans la tête, qui peut-être pas n'ont aucun rapport avec mounia ou bien une bagaille qui est vraie. Ok? Majorité moun ap viv nan yon illusion basé sou sa lot moun kwe, sou sa lot moun di, sou sa lot moun pense.
Est-ce que nous d'accord? Donc, avant que nous continuions à parler de petit cause ça, moi je voulais demander nous réfléchir. Moi je vais prendre des exemples pour nous mettre sur la bonne balle parce que nous même c'est pratique n'a fait, c'est pas juste parler n'a parler. Dans la vie ou dans qui domaine ou bien qui ça que jodien ou capable sincèrement garder et dire c'est parce que yo te dit ça que m'a fait ça. C'est parce que yo te fait me croire ça que m'a fait ça. Malgré tout ça moi fait consciemment parce que nous pas rentrer sur ça soit fait subconscious avec conscience, conscience avec subconscient. Même si consciemment moi voulais porter des changements, mais c'est comme si moi réaliser que m'a continuer faire des bagailles. Et si moi rentrer non pour me réfléchir, m'a réaliser que c'est des bagailles que yo fait penser que c'est les bagailles que yo fait quoi. Donc m'a bannou un moment et puis nous pral partager des exemples. Qui ça que dans la vie nous connaît bien qui pas vrai ou bien qui pas marche nécessairement pour nous que consciemment nous voulons porter des changements mais nous réaliser que bagaille ça que tu fais quoi bagaille ça que tu te dis a affecté la vie aujourd'hui. Donc m'a bonne un seconde que comme toujours dit ou ka partager par écrit son commentaire ou bien ou capable monter sur live là pour partager ça avec nous. M'attend nous, est-ce que c'est réfléchi n'a réfléchi, moi vraiment t'a content ça parce que et développement personnel c'est pas seulement tendez, c'est fait travail là tout. C'est prendre petit moment ça que peut-être pas t'apprendre naturellement sous des sous pas t'attendre mais c'est profiter de moment ça pour réfléchir. Joseph Taina said pas garder grand monde nager. Aïe aïe aïe, ça fait un bel bagage. Merci Taina. Est-ce que nous connaît à qui point que ça affecter la vie nous? Est-ce que nous connaît? C'est pas la première fois que exemple ça a monté. OK? Est-ce que nous connaît à qui point que ça important? Pas garder ti moun nanje. Nous gagnons kale ti moun. Yep. Qui ça encore? M'a donné un troisième exemple. Que en fait nous connaît qui pas normal mais que nous fait. Donc m'a prend exemple Taina. Moi pas contre Taina, moi Taina moi pas porter aucun jugement, moi juste supposer que sous comprendre exercice ou dire. Ou dire donc moi capable utiliser comme exemple. Pas garder grand monde nager, m'a même extrapolé un petit peu et dit pas garder grand monde nager mais pas garder autorité nager tout. Et m'a partager avec nous expérience moi non et en tant que intervieweur en tant que recruteur qui t'a fait des monde passer des entrevues et en Haïti moi réaliser que jeune nan li vini nan entrevue surtout si sont jeunes donc premier deuxième expérience et li gen du mal pour le garder manger alors que moun nan pas nécessairement plus grand passé or whatever mais de toutes les façons c'est comme si jeune ça que m'a rencontré et pas connait sous comme ça Taina. OK, le a grandi yo djou ça donc on en tant que grand monde ou style comprendre qu'on pas supposé garder monde qui gain autorité nager alors que garder un monde nager pour moi même c'est un signe de respect. Si on parle avec moi faut qu'on garde me nager, si on dit mon bagaille faut qu'on garde me nager et moi trouver que son irrespect tout si un monde pas garder un monde nager comme toujours dit si un monde a servi ou un restaurant un serveur un monde qui prend un service même s'il paye pour ça, même si li on subordonné, faut qu'on garde le nager. C'est un signe de respect, c'est un signe de mon amour qu'a connecté. Mais le fait que dit ça, il est difficile pour faire parce que li vinn tan kou yon bagay qui naturel la caillou. Kale moun. Yep. Kale ti moun. Moi-même, moi victime de ça tout et me pas penser que j'étais calme plus que ça non, c'est juste que dans société pam,
yo calé et moi pensais que le ca marcher mais moi fait un pile effort ça qu'on arrive même que ma vie calé oui mais me fait un pile effort pour pas faire mais tout ça c'est des bagages qui impactent la vie nous mais dans exemple ça moi mes exemples merci Wisni mais en fait moi voulais que nous pensions à des exemples qui affectent nous ça c'est une action c'est très important c'est une action que vous apportez by on l'autre monde mais voulais que nous pensions à des bagages que en fait qui affectent nous directement bien sûr car les timoun y affectent en tant que parents de relation avec timoun de comment que de comportement avec timoun mais qui ça qui l'autre bagage que nous capable réfléchir qui affecte nous directement. Pas poser question. En Haïti, poser question c'est un fléau. Poser question même là gen droit, poser question là pas connaît, c'est comme si là poser question là pas connaît ou vinn pisot. En fait, on toujours dit ça moi rive aujourd'hui parce que me poser question et me pas jamais peur poser question. Et me fait toute qualité travail dans la vie. Pour qui ça? Parce que moi même le m'a fond bagaille faut me comprendre. Moi songe que m'a travaille dans le ministère des finances avec un groupe économiste et gon moun un jour qui m'a dit m'ta étudier l'économie à l'époque m'était l'école toujours m'a t'ap étudier éducation mais yo t'es capable m'a dit qui ça m'était est-ce que m'était économiste parce que m'a tellement posé question que m'était vinn comprendre domaine nan. Je comprenais le domaine dans lequel je travaillais donc faut nous pas peur poser question et nous gain pouvoir ça naturalista purple ou dit pas poser question ou réaliser à qui point que l'impact la vie ou bien pouvoir ça comme reconnaître ça que le premier instinct ou pas poser question même sous pas comprendre pour connaître qu'on a droit poser question dans quelle que soit situation premièrement sous besoin réponse qui important pour vous que ce soit dans relation que ce soit dans interaction mais surtout l'on gen conscience qu'on pas comprendre un bagaille. L'on gen conscience que un bagaille pas clair pour ou. L'on veut qu'on ait un bagaille pour capable continuer grandir. Et m'a dit si ou son professionnel, c'est encore plus important. Il faut poser des questions. C'est en posant des questions qu'on apprend, c'est en posant des questions qu'on grandit. OK? Pas dit ça qu'on fait ou mal, ça qui blesse ou. Ça son gros coquin chaîne bagaille. Et vraiment, c'est dommage que me connais grand pile monde qui peut-être dans travail à le ça, mais si Haïti sous t'es qu'à monter pour parler de ça, il t'a fait un plaisir en pile parce que ça c'est une dans bagaille que yo vraiment incrusté la caille nous. Pas dit ça qui fait ou mal. Pas dit ça qui fait ou mal, ça qui blesse ou parce que ça fait de ou yon moun qui faible, ça fait de ou un moun qui yen, ça fait de ou yon moun qui plein, ça fait de ou un moun qui cherche attention, ça fait de ou un moun qui trop émotive. Alors que en fait, premièrement, faut qu'on capable reconnaître ça qui fait ou mal, c'est important. Faut capable di moun ko reme et qui compte pour ou ko vle kembe dans la vie ou ça qui fait mal pour ou capable changer comportement ou pour ou capable excuser ou pour ou capable connaître ça qui fait mal et en plus faut capable même parler de ça qui fait mal même si c'est pas à moun nan parce que parler de li c'est une façon pour libérer ou mais c'est une façon tout pour connaître que ça fait mal et ça que moi pense qui fait mal li valide et moi gen droit pas accepter parce que moi pas supposé accepter un rien qui fait mal. Moi pas mériter un rien qui fait mal. Nous vinn là pour nous bien vivre. On moun ou pas obligé gen drama, gen souffrance, gen douleur pour capable un moun qui fort. Non, ou pas obligé accepter ça. Gen assez bagaille qu'on pas gen contrôle sou yo. OK? Que ou obligé accepter qui fait mal. Tout bagaille qu'on pas ka contrôler. Donc relation c'est un bail qu'on ka contrôler. Donc dans relation faut qu'on capable dit ça fait mal. Ça pas fait plaisir. Ça blesse. OK? Oui. Gi un lot pour qu'en chaîne parole, oui qu'monte là. There's a certain way to be considered as a good woman. Bon ça nous pas même besoin rentrer là dans trop. Donc m'a dit en créole, gi un Jean pourier pour qu'un bon femme. Ça veut dire une bon femme. Voilà. Donc tout bagay sa yo a fait que ou mettez dans tête que pour me ka un bon femme moi comme ça, mais naturellement moi agir de telle façon, m'a tabasser tête moi, m'a raille tête moi parce que gens que moi vivre là que moi ouais qui naturel la caille moi,
si m'rentre nan petit bois que yo te construit pour moi qui dit que mais comment pour mien pour une bonne femme moi ouais pas une bonne femme donc moi commencer raite moi dès un jeune âge parce que moi réaliser que moi pas fit dans catégorie bonne femme que parents que société te apprendre moi m'plein nous réaliser importance toute bagaille ça yo et m'va l'expliquer pour qui ça que toute bagaille ça yo et impacter la vie nous et de façon scientifique pour nous comprendre ça que vle dit. Moi pral prendre dernier exemple avant que nous rentrer dans théorie un petit peu plus. Jean Doriot dit l'argent pas fait bonheur. En fait, moi crois que l'argent pas fait bonheur, mais l'argent important et ou bien droit vle l'argent. Donc m'a mettre un petit bémol pour Jean Doriot, moi pas penser que un rien précis fait bonheur parce que c'est un mélange d'un paquet de bagages qu'on vit dans la vie, c'est un équilibre entre toutes bagages qui pral fait que ou joine bonheur. Cependant, moi-même personnellement, une bagage que m'étais obligé de désapprendre, one of the things that I had to unlearn was my relationship with money, c'est relation avec l'argent. Donc, moi pas capable de dire que yo t'es nécessairement dim c'est ça. Mais moi vivre, moi lever avec deux parents qui travaillent, mais qui travaillent pour moun. Donc l'homme était jeune, nous était des fonctionnaires publics. Après dans le secteur privé, et nous vivons très bien et nous avons une vie en enfance assez intéressante côté que moi mes parents travaillent dur en pile pour ba moi tout ça pour ba moi. Donc dans tête moi et gens que parents t'ai exprimé, c'est comme si que gagne une quantité d'argent que moi pas ca faire. Parce que me pas saute dans famille héritière, parce que me pas sorti parce que parents pas businessman donc pas quitter un corps pour moi. Donc dans tête moi gagne une quantité d'argent que moi pas gain accès à lui. Et c'est année ça en 2022 peut-être fin 2021 que me rencontre un coach, un collègue, un sœur que moi travaille avec qui débloqué. En fait qui fait mal qui posait même question que m'a posé nous yo mais par rapport à l'argent directement. Il dit qui croyance qu'on gagne par rapport à relation ou même avec l'argent. Et je dis on m'a dit que moi j'ai des très grands rêves et moi pensais que m'a privé m'a bien en pile l'argent avec travail que m'a fait. Imaginez-nous mais moi t'ai obligé faire parce que this is what I believe. Moi ouais l'autre coach qui fait. Moi ouais l'autre motivational speaker qui fait. Pour qui ça moi-même moi pas faire parce que me sorti de Haïti parce que j'en parent te dit en parent pas de gain corps yo pas de gain et yo pas de quitter héritage pour moi parce que moi pas gain un business moi pas fait dans une famille de businessman mais il te prend temps parce que moi pral honnête avec nous business ça que me gagne qui c'est coaching qui c'est faire workshop qui c'est fait travail avec groupe mais avec monde pour m'aider à arriver joindre potentiel yo il pas gain aucun rapport avec l'argent. Et c'est pour ça que l'homme t'a commencé, il était en brasse. Il était en brasse pour moi. C'est un bail que moi t'ai fait sous côté parce que dans tête moi, on pas t'ap ka vivre de ça. Faut me continuer travailler 9h-5h parce que moi t'ai dans catégorie moun sa yo qui supposé travailler 9h-5h. Donc moi t'ai obligé faire un travail extraordinaire pour me réaliser que opportunité au tout côté. Depuis ma travail, depuis ma cherche opportunité, depuis ma mon focus, moi j'ai des objectifs clairs, moi j'ai des objectifs smart, moi j'ai des objectifs précis, réalistes et que moi j'ai un plan d'action clair. Pour qui ça? Pour me pas gagner accès à l'argent. L'argent il est là pour tout le monde. Et il y a un paquet d'autres histoires qui fait que il y a un paquet d'autres monde que on peut regarder qui réussit alors que il pas gagner rien. Alors que pas noté sur une famille de deux parents qui te travaillent dur. Et ça son gros coquin chaîne sujet parce que en pile dans nous qui regarder là, nous gain pensée limitative ça par rapport à l'argent, par rapport à entrepreneuriat, par rapport à rêve nous, à projet que nous voulons faire, mais que peut-être que dit nous eh ça pas privé en quel côté. Il pas facile, c'est pas levé du jour au lendemain quand comme toujours dit me fait 10 ans travail avec monde alors que me t'ai toujours connait qui ça me t'ai faire. Mais il te prend premièrement première partie qui c'est unlearning que ça m'a fait aller pas mener manquer côté et puis il prend travail il prend sacrifice il prend discipline il prend constance
ça veut dire consistency pour me faire tout le temps. Mais me connais pas facile, mais il est pas impossible. Mais à 5 ans de ça, moi pas qu'à imaginer que moi-même avec ça m'a fait un café, gagner 10 000 dollars dans 2 mois. Moi faire déjà. Il va arriver tous les mois, non? Pourquoi? Même penser que m'ka faire, mais premier bagage qui débloqué, hein, c'est que moi suspend quoi? Moi suspend nourri penser l'initiative ça. Mais première étape là, c'était reconnaître lui. OK? Et m'a regardé bon femme par le gain DG, bon femme de respecter nègli, bon femme de toujours sentir bon. Thank you Vince. Bon femme, c'est moi-même qui a déterminé qui ça fait de moi une bonne femme. Et par contre, c'est un exemple que t'as bail et m'espère que toute femme qui en bas live là connaît que en fait pour une bonne femme, c'est eux même qui pour connaît qui ça comme bonne femme pour eux. Comment ils sentir bien? Leur a vivre et que ils réussissent dormi déjà fermé en paix la nuit, c'est parce que y a travail pour capable une bonne femme nan jan pa yo parce que chaque femme différent. OK, chaque femme différent, chaque femme de personnalité, yo. Chaque femme gon façon que a exprimer en personnalité yo, jan yo ye, jan yo vle vivre et pas grand ken moun ki ta supposé di yo que ça fait yo bon ou pas. OK. Et si nous gagne l'autre idée, on t'a bien aimé que nous partager yo parce que gen et l'argent c'est m'pre que gon moun ki parle de l'argent et mais gen un sujet tout. Et un thème que me pensais qui que ça nous ouais affecter l'empile m'a quitté nous réfléchir. Donc pour qui ça est-ce que c'est qui explication scientifique que nous gagne pour affaire de partie cerveau nous qui conscient et puis ça relé subconscious là. OK. Donc on veut nous connaître que partie qui devant our frontal lobe, OK, the first the this part of our brain. OK, c'est lui-même qui analytique, c'est lui-même qui analyse. Mais c'est partie de cerveau nous qui développait au fur et à mesure. En fait, l'autre petit par contre, si on te conduit que à l'époque de la première communion, c'est ça relé l'âge de la raison. Donc en fait, c'est même pas vrai. C'est que il commençait à développer à around 8-9 ans, mais il vient développer à full capacité à partir, il commençait à partir de puberté. Ça veut dire que vous faites tout le temps ça avec partie ça qui a analysé, partie ça qui l'a pour la raison, partie cerveau qui devant, c'est lui-même qui analyse tout bagaille. Quand il y a partie qui puis derrière, c'est ça le subconscious mind, OK? Et m'appli en anglais on l'autre partie du livre là pour monde qui nouveau sous live là m'a partager livre là après. L'idée our subconscious mind is the non analytical part of our brain. It's also where we store all the early outside information we get. Donc partie ça qui pas analytique, c'est lui-même qui emmagasine toute information qui sortit de dehors depuis leur bébé. OK? The subconscious mind believes everything because it has no filter. It doesn't know the difference between true and not true. Donc, li carrément scientifique que gen yon parti nan la vie ou que l'esprit ou que cerveau a emmagasiné tout bagay sans li pas analyser. OK? Donc, m'a fait un petit récapitulation en anglais bien sûr. Et puis m'a traduit l'après. One, our subconscious mind contains the blueprint for our lives. It's running the show based on the unfiltered information it gathered when we were kids, otherwise known as belief. OK? Donc partie subconscient de l'esprit nous, OK? C'est lui-même qui gagne blueprint, ça veut dire et DNA premier gens que nous agit, c'est l'allié. OK? Et on vive avec toute bagaille ça yo. Parce que il pas filtre information qui vient la donne et il juste agit, il y emmagasiné et il pote pendant reste la ville, c'est ça yo relé. C'est pour ça yo relé le belief parce que il vient tant coup des croyances. OK? Donc c'est quand vous supposez gagner moun la caillou premier ça yo fait c'est bosser d'ailleurs. Moi même pas t'apprendre moi ça.
si me lever que me senti faut me bosser dans right away m'a fait même qu'à lever tout mal boire café non après ça me bosser dans c'est un bail qui peut-être nous pouvait drôle mais moi j'ai des monde dès que l'ouvrir yo faut aller bosser dans yo yo pas apprendre moi ça. Et est-ce que je dis on est capable changer, est-ce que je dis on gagne des jours me lever me bosser dame, moi pas bon outil vraiment parce que yo pas apprendre moi ça, mais je dis si me implémente une routine de bosser dame first thing then I'll do it, mais yo pas apprendre moi ça. Mais très jeune moi t'ai gardé différence entre moi-même avec l'autre petit monde qui était dans classe moi que l'homme t'ai connait dans le programme la caillou bien dans sleepover yo t'ai c'était premier bagage parent était comme si on pas bosser dame. Et moi-même, on va te comprendre. Donc, c'est pour montrer nous à qui point que un petit bagage comme ça, on était qu'à réaliser, mais penser à tout l'autre bagage que vous magasinez et que vous pas nécessairement quoi qui vrai. Et en fait, moi-même, pas nécessairement quoi que si me la caille moi et que me lever pour moi ou bien m'avec conjoint moi que m'obliger ces premiers bagages pour mal bosser dedans. Mais ça c'est un autre sujet. OK, nous mettre crucifier moi en bas live là à propos de ça. OK. So, deuxième bagage, we are for the most part completely oblivious of these subconscious beliefs that run our lives. Donc en pile dans nous là, nous pas conscients de tout bagage ça. Et c'est pour ça que nous là pour nous capable faire travail ça pour nous réfléchir à qui ça que moi gagne dans la vie qui pas empêcher m'avancer mais en fait qui pas gagne aucun rapport avec mon moi avec ça que moi-même moi quoi. Et troisième dernier point, c'est que when our conscious minds finally develop and show up for work, no matter how big and smart and no matter how big and smart they grow to be, they're still being controlled by the belief that we're carrying around in our subconscious mind. Ma reprendre parce que moi t'ai fait trop blur. When our conscious minds finally develop and show up for work, no matter whoops. Un moment. OK. Nous avons un petit problème que nous prenons résoudre. I'm sorry guys. Ouh. Mayugline. I don't know what's wrong with my thing. OK. Donc, comme on t'a dit, when our conscious minds finally develop and show up for work, no matter how big and smart they grow to be, they are still being controlled by the belief that we're carrying around in our subconscious mind. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que même le corps grandit, même le corps intelligent, même le que partie frontale ça, partie analytique ça, qui pral faut connaître, qui pral faut analyser les situations, même le grandit, li ont intelligent ta parce qu'on fait des années à quoi des séries de bagailles et la vie ou continuer à contrôler par bagailles ça yo. Et pour finir dans le livre là, Jen Sincero dit, our conscious mind thinks it's in control, but it isn't. Our subconscious mind doesn't think about anything, but it's in control. And that's how I'm going to finish today, by asking you to go home. If you're to finish the day, if you're at work, but later, I want you to actually sit on that. I want you to sit on these beliefs that we need to get rid of. These beliefs that you need to erase from your mind. Donc moi-même m'a souhaité que après tu parler que nous fait que ou pas juste tandem et pour finir qu'on réfléchit qu'on fait tu parler peut-être avec frère avec sœur avec maman avec zami sous des bagages qu'on réaliser que jodi an cap affecter la vie nous et peut-être que me ca bailler des exemples un petit peu. Oh, I'm Queen Dudley. You're going to have to read. We're ending soon. But we're talking about unlearning. We're talking about unlearning things that were put in our brains since we were kids and that we continue to do, that we unconsciously believe even if we want to change, even if we know that we don't believe them, but they take over because they've been in our minds for so long. And we're saying how important it is to actually get rid of these beliefs. Yes, baby, unlearning to relearn. All right. So on va prendre nous des exemples avant que m'aller pour continuer et trigger pour provoquer et façon de penser nous pour provoquer nous à réflexion ça yo pendant rêve journée. Donc dans livre là yo ban nous des scénarios et peut-être que nous ka reconnaître nous là-dedans. Donc conscious mind, I long to find and marry my soulmate.
subconscious mind. Intimacy leads to pain and suffering. Finger ringless, or I would say heart empty, no relationship at all. That's the result. Okay, Jaja Sam, please tell me what you want to talk about before I take you. Okay, donc qu'est-ce que ça veut dire? Partie conscient l'esprit ou a dit moi vle yon moun, moi vle marier, moi vle construire une vie avec un moun que moi considérer tant kou âme sœur, moi tant kou moun qui t'est fait pour moi. Et puis partie subconscient jou l'on moun intime dans la vie ou automatiquement ou gen souffri, OK, avec suffering ou a souffri et ou a gen pile douleur. Résultat, c'est que ou bien anik ou pas l'ouvre cœur que dans des relations ou bien toute relation en fait, c'est des relations qui font souffrir parce que dans fond cœur ou croit que gagner une relation avec un monde rien même pour tout bon égal souffrir. Et me pensais que un pile monde mettait dans tête yo que lors d'une relation ou pas souffrir quand même. It's not true, guys. Even if it's true for you, it's true for you now until you decide that no, I don't need to be in a relationship. I don't need to suffer and have pain because I want to be in a relationship. I can be in a fulfilling, happy relationship. Okay? Donc réfléchis qui gens est-ce que il y a des croyances limitatives qui affectent les gens que nous vivons l'amour, gens que nous gérer relations nous ou bien vie amoureuse nous. Subconscious mind. I want to lose 25 pounds. Subconscious mind. Everybody in my family is fat. It's a struggle. So, I can't lose weight. Result, I'm constantly struggling with weight. Ça, c'est la vie, Pam. Donc, moi, je voulais perdre du poids. Dans la partie consciente, moi, je voulais perdre du poids. Et puis, dans la partie inconsciente, moi, dans la famille, il y a perdu tout le monde gros. Maman, toujours dans la diète. C'est comme si son travail extraordinaire, extra compliqué pour capable gérer poids. La vérité, c'est que ma struggle avec gérer poids tout le temps. Moi, j'ai mes corps, moi, apprendre mes corps, mais mes parents disent, moi, toujours à chercher qui j'en pour me gagner en poids. Donc, moi, toujours à faire des régimes super drastiques, et puis, semaine après, à manger comme si la vie était pas finie, et then retourner, ce qui n'est pas bon du tout. Moi connais que c'est pas comme ça. Moi connais que me pas obligé priver de toute bagaille pour me perdre du poids. Moi connais que c'est une question de choix. Moi connais que si me gérer calories, si me gérer qualité manger que moi mange sans pas faire aucune restriction et que me faire du sport, moi bouger comme 30 minutes au minimum par jour, m'a perdre du poids. Moi fait déjà. But partie subconsciente là dit faut que gérer et puis gon l'autre partie subconsciente qui dit ou pas besoin de faire bad corps, tout le monde est gras dans la famille. Dans la famille maman, tout le monde est gras. Réfléchis. OK? Un autre exemple. I'm hot and sexy and I want to get it on. Ça, c'est conscious mind. Subconscious mind, physical pleasure is shameful, especially if I am a woman. Sex life, boring. Mesdames, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi senti me hot, ça veut dire que dans partie consciente là, moi senti me hot, moi libéré, moi pas penser que sexe gagne rien de mal, moi t'a bien aimé font petit flirt, un petit fling, moi single, pourquoi pas. Mais partie subconscient dit sexe son bail qui vraiment dirty, si on bail que sous fait le trop, il pas bon, sous son femme et qu'on parle de lui trop et qu'on veut le trop ou trop chaud. Donc réalité c'est que vie sexuelle moi, santé sexuelle moi, zéro barré parce qu'en fait moi penser que son bagage qui shameful que son bagage que me pas supposé want moi et wantly ça sont l'autre exemple. OK, on l'autre partie conscious mind. I do not want to have kids. I don't like kids. I realize that pas entendement avec timon. OK, subconscious mind, not having kids as a woman mean not enjoying the privilege of being a woman. Et puis réalité, I have a child, but every day I regret having that child. Ça c'est les gros coquins chez bagay. Ba kon si te comprendre parce que m'pa de bay m'pa de kodil en créole. OK, donc partie conscient l'esprit en dit m'pa vle gen ti moun parce que m'pa vle gen ti moun et mwen pa renmen ti moun, mwen pa entèlman avec ti moun, mwen lèm gade tèt mwen pa anvi fè ti moun. Et puis partie subconscient dit que son femme oblige fè ti moun.
Donc réalité c'est que je dis à moi font ti monde et que moi misérable parce qu'en fait dans fond cœur moi pas envie faire un ti monde. Et on t'a kabay exemple après exemple après exemple. Mais moi vraiment voulais que nous rentrions dans aujourd'hui pour nous réfléchir à qui ça partie conscient moi dit ça veut dire partie analytique l'esprit aujourd'hui en tant que grand monde qui ça moi quoi comment que moi analyser telle situation telle réalité qui ça que subconscient abdime depuis des années parce que c'est sa parent te dit c'est sa société te dit c'est ça etc et puis qui résultat qui vit que m'a vive aujourd'hui qui pas aligné avec qui ça moi-même moi voulais c'est vraiment réflexion ça que moi voulais que nous fait. I'm Queen Dudley. We really need to be mindful about what we're manifesting because we are powerful. Yes, I talked about that at the beginning of the live. We are powerful and it doesn't matter where you are in life today. And that's why we're here every Monday. You have the power to change. You have the power to change and it starts with changing your mindset. Changing the way you think. And for that, you need to introspect. You need to ask yourself the right questions. You need to analyze yourself and you need to unlearn. And I love what you said earlier. I am Queen Dudley. You said we need to unlearn to relearn. Okay, so moi pral finir un petit peu en lisant toujours. The first key to ridding yourself of limiting some subconscious belief is to become aware of them. Because until you're aware of what's really going on, you'll keep working with your conscious mind to solve a problem that's buried far beneath it in your subconscious. Donc si sou vle chanje jan kou ap viv, faut kou kapab aksepte ki sa kap pase. Parce que sou pa fè sa, ou pral continue travay avec partie conscience, partie devant, kap réfléchi ki vle implémenter des nouvelles habitudes, alors que problème nan li planté nan yon partie ki encore pi profond ki se partie subconscient. OK? So, you just need to open up the space to invite the fresh, the new, awesome belief and experiences that you'd love to have in your life. So, premier bagay, c'est accepter, reconnaître qui ça cap limiter, décider que c'est pas ça moi quoi vraiment et quand on me dit nous gain pouvoir ça pour nous rewire our mind, donc pour nous reset à chaque fois que nous pensons à ça. Donc, quand tout exemple que moi bay, c'est par exemple, moun ki di gade moun nan jè, lò santi kou pral bese jò, ou gen pou vwa sa pou di nan, sa se ba ansyen tan an fè de pa gade gen moun nan jè. I'm talking to someone, mwen pral gade yo nan zye. Nou gen pou vwa sa pou nou chanje. Donc chanje habitude nou, kite yo nan tèt nou ke, alors grave sa nan tèt nou ke nou gen pou vwa sa pou nou chanje, no matter how far deep this thing has been encrusted in you, et pi louvri kèw pou kapab, mes amis, louvri kèw, pour capable accueillir nouveaux pensées pour capable nourrir ça que ou même vraiment ou quoi et de ça que ou voulez gagner dans la vie de gens que vous voulez vivre la vie par. So that was it today. Ma promesse c'est tout le monde qui participait, tout le monde qui bail exemple. Avant m'aller, m'a rappelé nous que matin nous te font un petit exercice gratitude. Donc m'a mandé nous réfléchir à trois bagages que n'a dit merci la vie pour lui. Jodi, peut-être que nous capable faire mais comme ça, nous on dit toujours. Donc si ou gagne trois raisons et que ou ta ka dit merci la vie pour aujourd'hui, I'm waiting for your answers. Écris pour nous. Si vous voulez partager, écris dans un petit canet, dans un petit post-it, mettez devant le bureau pour capable songer à qui point que vous bénissez dans la vie sa gratitude. C'est une bagarre qui a pris d'eau, surtout lorsque vous passez des moments difficiles pour rappeler tête ou à qui point que vous bénissez. M'a fini tout en invite, m'a invité nous. Hi, mommy. M'a invité nous à suivre page. Personnellement qui c'est Emmanuel _ George n'a toujours joint des petites informations des petits conseils sous comment pour mettre tout puis bien comment pour vivre une vie puis épanouie donc c'est Emmanuel _
George. Et puis dernier bagage, m'a dit nous continuer supporter nos filters. Nos filters travaillent sur différents documentaires. Prochain documentaire, là, c'est un documentaire qui va souligner nos bagages qu'a fait dans pays nous, dans communauté nous jusqu'à présent qui c'est affaire ça avec là. Donc nous pas capable fini et documentaire parce que nous besoin l'argent. Nous ca monter sous page là, n'a besoin information pour connaître comment que nous capable supporter. Bon font y garder raison pour nous dire merci la vie. Faradi Health Shelter, la santé un côté pour le vivre. Bichon 1221, my mommy said my life, my support system, my spirit. Aibobo. Rich the batter said merci pour la santé, merci pour la protection. Chaque fois que nous sortis la caille, nous que nous rentrer, faut nous capable dire merci parce que nous protéger, nous pas pour compte nous. Bon Dieu là, l'esprit yo là, ange yo là, j'en veux les yo, nous pas pour compte nous, faut nous capable dire merci la vie pour ça. Merci pour l'amour. L'amour tout côté, l'amour qu'on sent en dedans, qu'on jaillit parce que son énergie extraordinaire et merci pour l'amour que recevoir. Madly dit, health, my kids, my dad. Rich said, merci pour le travail. Yes, travail important. Et Koremel, Koparemel, capable de travailler, c'est un bagage qui est important, capable pour mettre intelligence ou intellect ou en service. Quel que soit ça lié, c'est un bel bagage. Et souvent, mes travail ou même, n'a pas dit merci pour ça. Health, family, job. Pas comprendre ça, elle dit objectif, oui, important, il faut dire merci sous gagner objectif clair. My health, my family and my job. I'm gonna end up with this comment. I am Queen Dudley said today was so needed. Un pile love pour nous, un pile love pour vous. I am Queen Dudley, un pile love pour nous tout qui là. Et que comme toujours dit, impact moi c'est pas le nous là sous live là que n'attendim. Impact moi c'est petit message que m'ba nous, petit conseil, petit technique que m'ba nous, c'est porter là avec nous pour nous capable appliquer dans la vie nous. Donc je dis un devoir c'est qui ça, c'est réfléchir à qui ça, qui penser, qui croyance que moi gagne dans subconscient, que famille, que société en ban moi cap impacter la vie, cap empêcher me vie que moi mérite a li le li temps pour moi suspendre penser comme ça. Pour moi, suspendre, quitter bagay sa yo, miner la vim, mener la vim, bonne direction, parce que moi, c'est boss tête, moi, m'pas kwe bagay sa yo, vraiment. So, like I am with Dudley said, it is time to unlearn, to relearn. Je dis à li le li temps pour nous désapprendre, pour nous capables de réapprendre. Merci tout le monde qui était là, et puis na pour lundi prochain, à même l'heure. 10h AM. Passez une bonne semaine.